Le comité Vigilance Sécheresse a donc décidé de renforcer les mesures de prévention. Les agriculteurs doivent une nouvelle fois diminuer leurs prélèvements dans les nappes, mais c'est également maintenant aux particuliers de faire un effort avec une interdiction totale d'arroser potagers, parterres de fleurs ou même fleurs en pot avec de l'eau potable. Pour ceux qui ont un puits, l'arrosage est désormais interdit entre 8h et 20h. Il est difficile de contrôler tout ça. Il n'est pas question pour le préfet de mettre un gendarme derrière chacune des personnes vendéennes. C'est plutôt un appel à la vigilance, un appel au civisme des Vendéens qui est fait au travers de ces interdictions. L'idée, c'est de sensibiliser la population aux difficultés et aux difficultés qui s'annoncent en termes d'eau potable éventuellement si jamais la saison devait rester sèche encore longtemps. Les collectivités doivent aussi montrer l'exemple avec la fermeture des fontaines. Objectif pour la préfecture, éviter en l'anticipant le scénario de l'automne 2009 où des communes étaient menacées de coupures d'eau faute de réserves suffisantes.